Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo top ou flop. Donc je vous préviens tout de suite, cette vidéo sera sûrement divisée en deux parties parce qu'il y a des colis que j'ai reçus, des colis que je vais recevoir et donc il faut que je prenne le temps de les tester. Mais voilà, donc aujourd'hui on se retrouve avec des colis Octoly que vous connaissez déjà, que j'avais déjà commandé. Donc pour aujourd'hui j'aurai trois colis à vous présenter. On va commencer tout de suite avec ce qui se voit le plus, c'est ce rouge à lèvres. Donc je sais pas trop quoi en penser, alors j'ai reçu ceci. Qui n'était pas normalement dans la commande, et le rouge à lèvres en question, voilà, qui vient de chez Smashbox. Donc j'ai reçu un petit crayon avec, si j'ai bien compris, qui définit le contour des lèvres. Fini les rouges à lèvres qui dépassent les bornes, ce crayon transparent se taille automatiquement et glisse avec précision pour définir le contour des lèvres et empêcher le rouge à lèvres de couler et de déborder. Généralement, j'ai pas de souci à faire le contour de mes lèvres, donc il me sert pas trop. Donc déjà, c'est un mat, donc j'adore, franchement, j'adore, sauf la couleur. Je trouve que ça me va pas. C'est la couleur la plus foncée qu'il y avait sur le site. Du coup, bah j'ai pris celle-ci. Donc ça, c'était le plus foncé. Sinon, c'était des roses et tout. Et je mets pas du tout de rouge à lèvres rose. Donc voilà comment il se présente. Il fait vraiment un fini mat. Hein. Hop, voilà. Enfin, il est vraiment un peu plus foncé quand même. Il est corail en vrai. Le fini mat est super. Par contre, la couleur, je sais pas. J'accroche pas trop, en fait. Ça dérange un peu. Je sais pas pourquoi. Mais je pense pas que je le mettrai tous les jours, ça c'est sûr. Peut-être pour l'été, ouais, mais c'est pas dans mes couleurs habituelles, quoi. Donc, top ou flop, je mettrais vraiment entre les deux. Je sais vraiment pas s'il me va, en fait. J'ai jamais mis ce genre de couleur. Je suis plutôt dans les tons, pas sombres, mais soit rouge vif, vraiment rouge vif, mais pas corail comme ça. Donc, enfin, dites-moi dans les commentaires s'il vous plaît ou pas. Donc, je mettrais un entre les deux, je sais pas trop. On passe ensuite à quelque chose d'un peu spécial. Enfin, ça dépend. C'est un rasoir. C'est un rasoir Gillette Vénus. C'est le tout nouveau qui est transportable partout. Voilà, il y a une petite pochette en plastique pour le mettre vraiment n'importe où, quoi. Si on part en voyage et tout, c'est super pratique. Donc voilà, il y a 5 lames, il y a des bandes lubrifiantes juste ici. Je l'ai testé et j'ai vraiment été trop agréablement surprise. Vraiment, il est génial. Genre, t'as même pas l'impression de te raser. En fait, moi, j'ai toujours eu des rasoirs Bic. C'est de la merde. Enfin, c'est pas de la merde, mais c'est pas du luxe non plus, quoi. J'ai jamais acheté de rasoirs Gillette et tout. Je prenais vraiment des Bic, les normaux, quoi. En fait, avec celui-ci, t'as même pas l'impression que tu te rases parce que tu sens pas la lame. Moi, avec les Bic, je sentais vraiment la lame. Genre, tu sens que ça rase, quoi. Là, franchement, avec les bandes lubrifiantes et tout, tu sens rien du tout. Et j'ai testé, je me suis dit, waouh. C'est trop bien. Je crois que je vais même le racheter parce que c'est vraiment trop cool. Et j'ai l'impression de me raser genre 5 fois plus vite. C'est un truc de malade. Je sais pas, peut-être à cause des 5 lames en même temps. Mais c'est vraiment trop bien. J'ai trop aimé. Donc je suis vraiment trop contente de l'avoir reçu. Ça se présentait, voilà, dans un petit paquet comme ça, tout petit, tout mignon. Voilà, 10 sur 10, j'ai trop aimé. C'est un top intersidéral. Comme dernier produit pour aujourd'hui, j'ai reçu gommage au sucre et baume à lèvres. Donc voilà, ça vient de chez Clinique. C'est un petit paquet comme ça avec les petits baumes et le gommage. On dirait que mes lèvres elles ont triplé de volume. En fait, je viens de faire le gommage. Et c'est horrible, sérieux. Attendez, hein, j'enlève un peu le surplus. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Donc, je viens de faire le gommage qui se trouve juste en dessous. C'est dommage qu'il soit coloré. Parce que moi, j'aime bien faire ça le soir avant de dormir. Et j'ai pas forcément envie de foutre du rouge partout sur mon oreiller. Donc, le gommage, c'est comme ça. C'est au sucre, en fait. Il y a du sucre en dessous. Donc, pour enlever les peaux mortes, que moi, j'enlève tout le temps à la main, c'est dégueulasse. Là, c'est vraiment pas mal. C'est cool. Donc voilà, il y a des morceaux de sucre en dessous, c'est dommage que ce soit coloré, j'aurais trop aimé que ce soit transparent, ça aurait été vraiment cool. Et ensuite on a un petit baume à lèvres un peu huileux, luisant, qui nourrissant en fait, qui nourrit. Et bah je pensais vraiment pas aimer et j'aime bien. Ouais, je trouve ça pas mal, le seul truc dommage c'est que ce soit coloré et que moi je mettrais pas ça le matin. Je ferais pas mon gommage le matin, j'ai pas le temps. Mais pour le soir vraiment c'est cool et je continuerai, enfin c'est bien, c'est pas archi coloré non plus. Vous voyez bien que c'est pas rouge, hein. Il est marqué rouge velvet mais bon voilà. Donc c'était dans un petit paquet comme ça. Donc c'est soumis à des tests d'allergie 100% et sans parfum, donc c'est vraiment cool. Donc j'ai fini pour aujourd'hui, on se retrouve la prochaine fois pour la suite des top et flops.